Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle, cette vidéo est faite le dimanche à 16h en live sur Twitch. Comme ça, ceux qui sont là participent à l'enregistrement. Et pour les autres, vous avez une version cutée, plus courte, le mercredi. Où aujourd'hui, on va tester la marque de vêtements Magic Knight. Alors, vous avez vu dans le titre, j'ai mis vêtements militaires russes. Mais au début, c'était une blague en disant j'ai vu un Russian Camo sur leur site et tout. Je me suis dit, c'est rigolo. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais commandé, c'était vraiment lié au truc militaire et tout. Alors, il y a du t-shirt militaire. Après, bon, vous verrez. De toute façon, il y a du même truc sport militaire et tout. Voilà. Donc, la marque Magic Knight, qui est une marque chinoise, mais vraiment official store sur AliExpress, propose des produits militaires. Alors, c'est le deuxième, pourquoi? Alors, le troisième, ça sera pas militaire, mais c'est le deuxième, parce qu'il y avait trois produits dans la commande et tout. Puis, comme c'est bientôt la guerre, il faut que vous vous prépariez et que vous soyez un petit peu équipé. Il y a des trucs super sympas. C'est là, le polaire comme ça, là. Ça, je pourrais kiffer. Celui-là, là, avec les petites épaulettes et tout. Ça aussi, je pourrais. Il y a plein de trucs super sympas. Hein. Vraiment, après, bon, ils disent militaire, voilà. Alors, regardez ce qu'il y a en promo. Il y a le produit du bas, là. Le petit pull, alors moi je vous rappelle j'habite en Asie ou en Thaïlande même, donc les trucs un peu manches longues et tout comme ça c'est pas mal, hein. Ça fait très président ukrainien. Il y a des produits super, vous me direz dans le chat, mais il y a des trucs super, après c'est très militaire, très armé encore une fois, mais j'ai oublié de prendre ma ceinture. Oh, il est joli celui-là avec le logo et tout. Il y a des trucs super cool, hein, vraiment, voilà, nanana, tactile jacket, et après là il a fallu que je me remette sur le site top selling, allez, les meilleures ventes, c'est quoi. Alors, il y a des trucs tactiques et tout, il y a plein de produits super cool, hein, vraiment, je pourrais kiffer, nanana, casquette et tout, préparez-vous à la guerre, hein. C'est pour bientôt, là, après les coupures de courant d'abord, et la guerre après, ou les deux en même temps, parce qu'en France, vous avez du bol, tout vous faire en même temps, il y a les petits gants tactiles, tout, bon, il y a plein de produits sympas, on va tout de suite attaquer le déballage du premier produit. Allez, c'est parti, on attaque pour le premier produit, et le premier produit, il y avait un lot de t-shirts, lot de deux t-shirts camouflage, camouflés. Tu sais que je vais mettre ça maintenant, j'aurais dû mettre une petite table, je vais mettre ça dans le coin, regarde, tu verras pas là, regarde, voilà que ça. Bon, deux petits t-shirts, il y a une promo, deux t-shirts camouflage, combien? Il y a une promo 15,71€ pour deux t-shirts, alors moi j'ai pris un beige et je crois que j'ai pris celui-là en L. Je trouvais que c'était bien. Elle, 70-80 kilos. C'est tout, moi. Je fais 82 kilos, là. Mais en théorie, je suis bon pour les perdre. Bon, allez, on va déballer un peu ce t-shirt. Bon, allez, on attaque par le premier, puisque de toute façon, qu'il soit beige ou... beige ou chocolat, ça paraît. Oh, la matière est très sympa. Hein. Oh, alors, l'étiquette, un petit étiquette. Alors, ils mettent leur étiquette Magic Knight, ça fait plaisir. Même si c'est juste une petite étiquette par-dessus, pas mal. Ici, on a la taille L. Notre petit t-shirt... Oh, la matière, elle est très étonnante. Vous voyez, c'est une espèce de... Je sais pas ce que c'est. Je connais rien. Composition 100% polyester. Voilà, pas beaucoup de coton, hein. On est d'accord. À l'arrière, pas mal. J'aime bien le petit col orange. Et pour faire et pour finir la blague jusqu'au bout, parce que le col est orange, et ben le ciseau aussi. Orange. Pas du tout sponsorisé. Qui est le train que j'arrive même pas à couper. C'est le seul ciseau qui coupe pas. Voilà. Bon, alors, à l'avant, il y a un truc. Ça, c'est pour mettre quoi, ça? Attends, ça, je crois que c'est pour mettre les lunettes de soleil de l'armée, du militaire et tout. Ou un ciseau. Ça peut le faire aussi. Orange. Voilà. Bon, qu'est-ce que... Il est pas mal, hein. On va regarder sur la fiche produit. C'est quoi comme qualité? Allez, on revient sur la page produit. T-shirt à manches courtes, col rond, deux pièces, séchage rapide. Bah, évidemment, pour la guerre. Celui-là, il est pas mal. La taille aussi. Les muscles, bon, on verra, hein, on les achètera plus tard. Attends, on va regarder. Je regarde un peu en bas de la page. Pas de détails, tu sauras pas c'est quoi la qualité. C'est du 100% polyester, séchage rapide. Bon, il est venu le temps de l'essayage. Allez, c'est bon. Eh, on dirait pas un président ukrainien? La même couleur, pas fait exprès. Il est pas mal. Moi, j'ai pris la taille L, puisque généralement, je taille du L dans mes autres t-shirts et tout, si vous avez vu tout. Il est pas mal. Il est bien taillé, en fait. Hein. J'allais dire comme moi, non, pas jusque-là. Il y a un petit, pour mettre le micro, c'est bien. Ou des lunettes, ou voilà, pas mal de choses. Mais je pense que pour aller à la guerre, c'est pas mal. Avec ça. Après, le noir, il y a encore un peu d'espoir. Regardez un peu. C'est le même, hein, voilà. Après, le noir, c'est exactement le même. Avec le liseré orange. Voilà, ici. Le noir aussi, tu peux mettre tes lunettes là au milieu ou un ciseau orange. Oui, parce qu'un choche, ça marche pas. Un chochisson, c'est rigolo. Voilà.
Ils sont à couper au montage. Bon, bah après, vous avez vu les t-shirts. C'est, si on prend le prix, bon, 20 euros les deux, c'est pas donné. Hein. Après, si vous attendez la promo, 15 ou 18 euros, c'est bien. Je trouve que, voilà, le kaki plus le gris, vous avez pas fait kaki plus gris, moi, c'est kaki plus noir. Hein. C'est 100% synthétique. La matière est un peu bizarre. Mais en même temps, je me dis que peut-être que c'est le genre de t-shirt que je devrais mettre pour aller courir demain. C'est après qu'une fois que j'ai fini de courir, je suis tout transpire, tout mouillé. Je suis toute mouillée. Voilà. Tout mouillé à force d'avoir couru tout. Comme c'est un séchage rapide, peut-être qu'il séchera plus rapidement que mes autres t-shirts, qu'après ils sont quand même assez humides. Après je prends la moto, je rentre chez moi, alors ça sèche avec le vent et tout, mais c'est quand même un peu dégueulasse. T'arrives à la maison, le t-shirt il est un peu en carton. Voilà. Bon, je vais lire un peu le chat et on fera le deuxième. Allez, c'est parti pour notre deuxième produit. Et notre deuxième produit, alors j'ai pris, alors j'avais besoin de shorts. Donc j'ai pris des shorts. Il y a des pantalons et tout, mais j'ai pas pris de pantalon puisque j'en portais pas trop. Et j'ai préféré prendre celui-là. Alors celui-là, pantalon tactique de camouflage militaire pour homme. Pantalon court, multipoche d'été respirant, à séchage rapide. Donc 100% polyester. À mon avis, encore une fois, ah bah, je dirais avec ça, je veux dire, une allumette, tu t'embrases. Hein. Allez, on prend le sac ici. Toujours la petite étiquette Magic Nike qui va bien. Encore une fois, ça fait plaisir. Oh, oh la qualité est terrible. Hein. Waouh, ah ouais, ouais, c'est la même. Ah, c'est le même délire que le t-shirt, la qualité et tout. Ah, pas mal. Ouh, avec les petits moustecons là, mousquetons sur le côté. Pas mal, les petites popoches. Bien, militaire, tactique, tout ça, tout ça. Prêt pour la guerre de Warrior. Il a l'air assez... Oh, il est élastique. Donc, on va regarder un peu les tailles. On va regarder sur la fiche. Bim, allez, nous revoilà là-dessus. Le prix, 26,67€. Encore une fois, pas de ceinture. Alors, heureusement, j'ai acheté... Tiens, j'ai bien fait, parce que j'ai pris la ceinture, celle-là, et j'ai même une noire. Je pense que la noire irait bien aussi là-dessus, ou la beige, parce que la beige ferait trop beige. Voilà. Oui, bah, c'est le problème des beiges. Je veux dire, le noir fait trop noir. Après, aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus le droit de dire ça. La beige fait trop beige. Là, la noire, avec la petite ceinture... Ah, vous voyez pas? Bah, vous verrez ça là. 26,06€. OK, moi, la taille, j'ai pris double XL, parce que je suis un psychopathe, c'est pas à cause de ça. Triple XL, on a vu la dernière fois, moi si on prenait le waist, donc mon tour de taille, je suis à 100 à peu près sur les pantalons. Donc eux, ils estiment entre 96 et 101, à mon avis, c'est grâce aux joies de l'élastique, parce que l'élastique, c'est fantastique. Non, non, c'était le plastique, mais ça marche aussi avec les élastiques. Les élastiques aussi, voilà. Vous n'êtes pas venu pour rien. Donc 96 à 101, ils ont dit double XL. Alors, j'aurais pas pris un pantalon double XL, hein, encore une fois, mais n'oublions pas que c'est surtout des tailles chinoises. Donc il est terrible. J'espère qu'il est à ma taille. Et encore une fois, astuce de grand-mère. On prend le pantalon autour du cou comme ça. On le met là et il va. Regarde, parfaitement. Regarde, donc ça doit être pile ma taille de gros cul. Parce que oui. Alors support de micro. Est-ce que je peux mettre là aussi, hein? Voilà. Donc là, bon, venu le temps de l'essayer. Eh, regarde, il n'y a pas... Comme il est un peu élastique, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, élastique. Ouais, c'est fantastique, je sais, ouais. Alors, attends, comme ça, regarde. Tu pourras voir derrière. Oh, avoir mon cul, hein, t'auras bien... T'auras pas venu pour rien, je te le dis, moi. Voilà, ici, là, derrière, OK. Et je pense que pour l'autre, on pourra mettre la ceinture beige. Comme ça, j'aurais pas besoin de les enlever. Ici. Oh, j'aime bien les petits mousquetons et tout, là. Oh, c'est cool. Non, il taille beaucoup mieux que l'autre, hein. La dernière fois, vous avez vu, l'autre, il taillait quand même un peu trop grand. Là, ah, j'ai fait ici. OK, on met la boucle là-dedans. Tac, on referme la boucle. Putain, la boucle, elle est terrible, hein. Et voilà, mon pote. Et super, hein. Super. Putain, il taille super bien et tout. Putain, je suis trop content. Ah, enfin, ah, il y a une petite popoche, là, regarde. Il y a une petite popoche encore militaire pour mettre des trucs. Oh, génial. je suis extrêmement content. la taille parfait. Encore une fois, ils vous disent c'est entre gros et surpoids. Donc pour Noël, comme ça, hop, je peux libérer un peu la ceinture. La taille était bonne, hein, quand on reprend un peu le. Ils ont dit entre 93 et 101, c'est pas mal parce qu'on était plus sur un 101 là quelque part par rapport à ma taille. Mais il taille super bien. La qualité est géniale. Les petites popoches devant en dessus là pour mettre je sais pas quoi, voilà, des grenades. Là, les petites poches et tout. Il est super confort. Il est séchage rapide. Bah, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais lire un peu le chat, mais personnellement, je l'adore, ce pantalon. Et je suis impatient de vous tester le dernier. Tchou ! Allez, c'est parti pour notre dernier essayage. Mais vous imaginez même pas comment je suis content. Déjà, parce qu'il me va beaucoup mieux que l'autre. Et il taille super bien. Il est super quali et tout. Je suis trop content. Parce que, ah ouais, les autres étaient un peu usés. Oh, il est un peu découpé en bas. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, allez, on attaque notre troisième short. Là, on est plus sur un short de sport.
Oui, bah on est comme ça. Ah oui, qu'il y a les papiers polonais là. Qu'est-ce qu'il me dit? Thank you, salam, merci. Oh là, ils sont forts. Ils sont forts dans le marketing, regarde. Ils ont marqué merci dans toutes les langues. Thank you, dank. Oh là là, c'est trop bien. Et ça, c'est une petite carte. Non, en plus, c'est vraiment un tatouage, regarde. Il y a vraiment le papier et tout. Ouais, un tatouage de la guerre. Non, mais on n'en est pas là encore. Bon, allez, on attaque notre dernier pantalon qui est un pantalon sport tactique. Putain, le truc, il est sous vide, regarde. Regarde, il faut l'ouvrir comment? Comme ça, là? Et comme un paquet de chips. Eh ben, ouvrons-le. Et voilà. Et voilà l'anthrax, et voilà comment il est mort. ne jamais faire confiance à un chinois et ouvrir un truc sous vide. Bien évidemment, tu sais pas quelle cochonnerie il peut y avoir dedans. Bon, arm my power. Arm my power. Plein d'étiquettes, ça j'aime bien. Ça c'est YKK, puisque c'est YKK, et ben voilà. Alors, la qualité. Oh, très joli. Alors, oh, pas mal. Petite poche à l'arrière. Ok. En bas, classique, normal. Ok. À l'avant, une poche. Oh, une poche, regarde. Poche fermeture éclair. Ça, c'est pas mal. Petite poche pour mettre les grenades. Les grenadiers, bien évidemment. Les fraises, les framboises, ce que tu veux. Oh, ici, pareil, mais asymétrique. Hein, exceptionnel. Petite ceinture sur le... Oh, 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 regarde. Petite ceinture. Oh, oh là, c'est trop bien, ça. Je sors de ma planète, hein. Je vous dis, pourtant, j'en ai des pantalons, mais j'ai pas de pantalon et une petite ceinture mignonne comme ça. Là, hop, après, tu fais quoi? Tu tires dessus. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Puis ça tire sur la bande et ça raccourcit le pantalon. Même pas besoin de ceinture, sauf s'il est vraiment très très grand. Petite pression ici, pas mal. Bon, bah il est venu le temps de la cape et de l'épée. Oh! Regarde. Bon, un petit peu, presque pareil grand que l'autre. Bon, on va aller sur le site un peu. Bon, revenons-en sur le site. Alors là, encore une fois, pareil, j'étais obligé de prendre le plus grand, vous voyez, 38, puisque 38, il vous dit bien, il y a bus et hanche. Moi, je pensais ça que c'était mes hanches et que ça faisait 100 cm. Mais si ça, on prenait 100 d'ici avec marqué les hanches, ça nous faisait la plus petite taille et j'y croyais pas. Vu que sur l'autre pantalon, il m'avait fait prendre la taille la plus grande. Donc là, on est bien sur buste 102. Enfin bon, moi, je croyais que c'était les hanches. Mais enfin bon, après, buste, si tu veux. Et hanches. Mais comme j'ai les hanches de la même taille que mon buste, peut-être que c'était, voilà. Donc 102 et hanches 120. Mais bon, là, j'étais pas trop convaincu. Et voilà. Le prix, 36 balles quand même. Pas donné, hein. Avec 36 balles, avec... On va essayer de rafraîchir un peu, des fois qu'il y a une remise pour le... Vu qu'il y a plein de remises en ce moment, là. Voilà, moi, j'ai pris le gris, il y a le noir. 36 balles, il n'est pas donné, hein. Il n'est pas donné, mais... Alors, on reprend un peu la description. Mighty en my jogging d'été de fitness et plein air, cargo, il fait tout. Cargo, fitness, plein air, beau gosse. Voilà. Est-ce que lui, il met des pièges dedans et des armes et des trucs, non? Bon, au niveau de la taille, ça aurait mérité une taille dessous quand même, hein. Là, short sport, ou alors j'ai bien décollé entre la vidéo et tout, mais ça mériterait une taille en dessous, peut-être. Mais, comme il vous donne gentiment une ceinture, excusez-moi, voilà, petit oiseau va sortir. Comme il vous donne une ceinture, putain, trop bien cette ceinture, tu peux la mettre dedans ou pas à la fin? 36 balles quand même, hein. Bon, pas donné, mais exceptionnellement, trop bien. Avec les petites popoches derrière, là, trop bien. Petite popoche ici, trop bien. Ici aussi. Et Félicie aussi. Petite poche tactique là. Oh, trop bien. Putain, il est très confortable. Hein. La vache. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Après, je suis pas sûr d'aller faire du support avec, hein, comme ils disent dans la vidéo. Mais personnellement, j'aime beaucoup. Je vais enlever l'étiquette. J'aurais l'air moins... J'aurais mérité une taille dessous. 38. 38, ça faisait quoi? C'est quoi l'équivalent? C'était 102, je crois. 38, ça faisait 102. Ouais, c'est là où... Moi, je fais plutôt un 100 maintenant. J'ai quand même pas mal décollé et ça s'arrange pas. J'ai encore perdu presque un bon kilo, là, cette semaine, avec ma nouvelle diète du soir. Le 36, hein, 96 aurait peut-être été mieux. Autant... Mais comme il y a la ceinture, en même temps, ça va. Et comme il y a Noël qui arrive et que je vais manger comme une grosse, bah, en même temps, si j'ai besoin de l'est que 96, voilà. Encore une fois, des fois, il vaut mieux prendre un peu une taille au-dessus et avoir de la marge que l'inverse. Après, quand c'est trop petit, tu fermes pas. Donc, écoutez, je suis plutôt convaincu. Bon, si on doit faire un petit bilan comme ça pour finir un peu cet enregistrement, et après, je m'occuperai en live de 6 personnes qui sont là. Bon, déjà, je me suis acheté une deuxième ceinture, je m'en suis pas encore servi, mais on désespère pas, hein, il restera encore la semaine prochaine. Elle est jolie, celle-là, regarde aussi, petite inscription dessus, tout, ça casse rien, mais voilà. Bon, Russian Camo, tout ça, prêt pour la guerre, tout, bah ouais. Pourquoi pas? Bien. Le t-shirt, très sympa. Écoute, la matière est très bien. Bon, 100% polyester, on est d'accord. Il y a quand même le petit col orange.
la possibilité de mettre un micro, d'une paire de lunettes en train de vous foutre de ma gueule avec mon ciseau. Oui, mais mon ciseau, il est orange aussi, voilà. Et un... sur la classe. les petits détails, tu sais, le petit détail, tu dis, lunettes. Voilà, micro. Voilà, après, si vous avez vos clés, votre tampon hygiénique, ce que vous voulez, quoi. Tu mets, tu sais, oreilles Bluetooth ou quoi, tu sais, tu peux les mettre là et tout, voilà. Très bonne idée. Après, je vais aller faire du support lundi soir, certainement avec. Et comme ça, je verrai un peu ce qu'il va donner au niveau de la transpiration. Parce que déjà, là, ça, je me dis 100% polyester, ça va pas être ouf. Mais s'il absorbe, qu'il sèche rapidement, peut-être que pour le sport, ça peut être une bonne initiative. Bon, les deux, 20 balles hors promo, 15,67€ avec la promo. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça un bon petit prix, tu vois. Voilà, vous me direz en commentaire. C'est du free shipping, bien évidemment. Bon, le pantalon militaire tactique, tout ça. Il est où ? Il est là. Trop bien. Alors, j'ai peut-être pas pris la bonne couleur. J'aurais dû le prendre camo. Il est trop beau en camo. Parce que là, attends, je l'ai. Ouais, moi, je voulais un truc sobre. Ça va être bon. On va faire la guerre ici. Nous, c'est un pays de vacances. Voilà. 26,76€. Je trouve que la qualité, elle est super bonne. Il est assez... comme c'est très typé militaire, je le trouve très quali. Il taille bien. En même temps, vous voyez, moi, j'ai pris double XL et petite ceinture pour sécurité Noël. Mais en théorie, la taille est plutôt bonne. Donc, celui-là était bien. Après, en couleur, il y avait noir, vert gris, kaki, qui sont les kakis, tes meilleurs amis, bien évidemment. Le problème, c'est en train de chercher. Qui sont les kakis, qui, mais qui... C'est pas bon, c'est pas grave. Le camo est pas mal. Alors, le camo était mieux sur la photo de démo, il était mieux là que quand lui il le portait, mais pas mal. 26,67€, il sera à 26,08€. La promo est pas exceptionnelle. Très bien. Beaucoup plus habillé, classe et tout, avec une petite ceinture noire comme moi j'ai acheté. Parfait. Putain, mais si avec ça, je ne trouve pas une copine, je veux dire, tous mes vêtements kaki chinois. Et le dernier, le sport, le short de sport tactique en maille pour homme, course classique de gym, basketball, entraînement, jogging d'été. Il est pas mal parce que c'est un petit compromis entre... Et ça, je viens de le réaliser parce qu'ils ont mis tellement de trucs dans la fiche. C'est un petit compromis entre un short sport, mais en même temps, il fait un peu habillé. Ça veut dire que moi, j'ai un short sport Adidas. C'est-à-dire, quand je le mets, j'ai la dégaine, quoi. Tu dis, lui, il va au sport. Je peux pas aller ailleurs qu'au sport. Partout où je vais, on me dit, non, mais là, voilà. Là, l'intérêt, c'est que celui-là, c'est que s'il est bien étudié pour le sport, c'est limite entre les deux, tu vois, où ça passe. Tu peux aller faire les courses avec et aller au sport avant, après et tout, voilà. Tu peux sortir avec un pantalon comme ça. Il est assez confortable et tout. Et je pense que, voilà, pour l'été ou pour le sport, pour moi, ça pourrait être bien en disant, voilà, mais peut-être, c'est vrai qu'après que je fais le sport, je suis transpirant, mais là, si ça sèche tout seul, je pue, mais en même temps, je ne serai pas transpiré. Donc celui-là, 36, celui-là, il est cher, hein, mais je pense que la matière le vaut parce qu'il est. On a vu qu'il était très quali, il était très travaillé. Encore une fois, il y a plein de finitions, il y a plein de poches, il y a la petite ceinture. Et mine de rien, voilà quoi. Parce que alors là, du coup, tu peux pas en mettre. Ah non, ouais, je peux pas en mettre une autre. Ah, t'es obligé de passer par celle-là. Il est super confort. Hein. Oh, j'aime bien me caresser les fesses avec ça. Donc t'imagines, si moi j'aime bien, short à Pattaya en boîte. Bon, voilà. Non, bien sûr que non. Bon, voilà. Donc, celui-là, il est plutôt intéressant. Ça aurait mérité une taille de moins. Ça aurait mérité d'essayer un 36. Après, je n'ai pas recommandé en 36 parce que, déjà, il vaut 36 lui tout seul. Mais une taille de moins, comme je suis en train de perdre du poids, je pense que je vais facilement descendre en dessous des 100 cm. Et voilà. Mais bon, après, c'est pas très, très grave puisqu'il va plutôt bien. La ceinture aussi. Et elle est livrée dans la boîte. Voilà. J'hésite entre les deux pantalons. Je dirais le deuxième. Le deuxième, c'est celui qui va me servir le plus, que je mettrai le plus souvent parce qu'il est très sympa. Sympa, il est bien fini et c'est ma taille. Voilà. Et le sport comme ça, j'aime bien aussi pour aller à la plage ou l'été ou quand il fait un peu chaud ou tu sais, pour faire de la randonnée, tu sais, pour faire de la marche ou tu vois, je fais de la marche et tout. Il me faut un truc un peu confortable. J'aime beaucoup. Tu mets un commentaire en dessous dans les commentaires. Tu mets un commentaire dans l'espace commentaire. Je lis tous les commentaires. Je te mets un petit cœur d'amour. Je réponds à tous les commentaires. Et moi, je vous donne. Alors là, ça sera rendez-vous la semaine prochaine, donc dimanche prochain. On fera un autre produit. Donc là, il y aura un t-shirt, un pantalon et un short d'une autre marque trop cool, mais voilà, j'attends, toi, pour je voudrais bien les mettre, mais j'attends pour faire la vidéo, et après, au milieu de tout ça, au milieu des deux dimanches, on essaiera de faire une vidéo au milieu où il y aura de la contrefaction, ou des produits qui ressemblent fortement à des produits de marque. J'ai une Apple Watch Ultra qui est folle, en métal et tout, 30 balles, ça va mettre charge à induction, métal, paiement sans contact et tout,
Bah dis donc, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai une Apple Watch 7, bien évidemment. J'ai un bonnet CP Company. Et normalement, je vais avoir des Air Jordan à 10 balles. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 10 balles? Bah vous le saurez. Et des Louis Vuitton aussi, des baskets Louis Vuitton. J'avais oublié de vous les mettre et tout. J'ai aussi des baskets Louis Vuitton qui vont arriver 30 balles, je crois. Un peu plus cher quand même, c'est Louis Vuitton. Elles sont super, voilà. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc moi, je serais toi, je m'abonnerai. Il y aura eu beaucoup, forcément, de vidéos voitures sur WTS. Il y aura beaucoup de, sur GLG Vidéo. J'essaie de relancer un peu des trucs comme ça et je réfléchis à des choses pour l'année prochaine. Si vous suivez le coup, mettez un pouce en l'air, vous abonnez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vais continuer avec ceux qui sont là en live. Bonne journée à tous. Bye bye.